Bonjour à tous. Une vidéo pour comment changer le thermostat sur une Volkswagen Polo 1,4 litre TDI 90 à partir de 2014. J'irais même 2012 jusqu'à 2017. C'est à peu près les mêmes modèles. Je vais vous montrer ça. C'est ce genre de Polo. Voilà. Donc là, c'est l'1,4 litre TDI, 90 chevaux. C'est 3 cylindres, hein. Voilà. C'est une usine à gaz. Donc, on va démonter le thermostat. Il y en a, ils disent carlostat, thermostat. Voilà. Là, c'est ça. Il y a. Je sais pas si on voit bien. Il y a voilà un gros ressort avec à l'intérieur une sorte de soupape. Donc voilà. Et qui s'ouvre à partir de 90 degrés. Elle s'ouvre et elle laisse circuler l'eau. Donc voilà l'engin. C'est un bon petit bordel. D'habitude c'est plus petit mais bon. Ok. Bon, c'est parti. Je vais d'abord démonter, desserrer les colliers là. Je vous ai épargné l'enlèvement de la boîte à air, hein, ça c'est tout bidon. Voilà, n'importe qui peut le faire sans même regarder tuto ou notice ou quoi que ce soit. Vous regardez 2 secondes, vous savez tout de suite comment ça s'enlève. Elle est fixée là, avec 2 vis, une en haut, une en bas. De l'autre côté. Ensuite, elle est clipsée sur un support que j'ai enlevé. En fait, le support, il était fixé comme ceci. Hop, là, un écrou de 10, un petit boulon de 10 ici, et là sur le boulon de 13. Et en fait, ce support-là, vous avez les petits ergots, là, les petits tétons, où la boîte à air, elle est clipsée dessus. Et en fait, il faut la tirer. Et après, vous desserrez le support, vous le retirez. Jeter en l'air. Et puis voilà, et on y est. Et on est à ce résultat-là. Donc voilà. En 2 secondes, je vous ai fait le récap. Là, on passe aux choses sérieuses. Je sers, je sers. Je desserre quand même celle-là, on sait jamais, ça peut me donner plus de mou, plus de jeu. Parce que c'est une durite qui est bien bridée, avec durite en plastique dur et durite en fer. Donc pour la faire bouger celle-là, je peux vous dire qu'il faut y aller. Il faut vraiment bien tout desserrer, bien tout démonter. Ok. Ça, c'était clé de 7. Faut retirer les 3 vis ici, là, qui sont sur le papillon de gaz. Donc, ces 3 vis avec torse de 30. Donc, torse de 30. Donc, 3 vis sur le papillon de gaz de torse de 30. On la desserre d'ici, hein. On n'a pas besoin de la desserrer d'ici parce que sinon on prend le papillon de gaz avec, ça sert à rien du tout. Je sais pas si vous voyez bien. Bien. Voilà. Hop. Il y en a une autre en bas, il y en a 3 en tout.
Prévoyez un seau à mettre en dessous, à ce niveau-là, au même endroit, parce qu'en fait, le thermostat, il est juste là. Derrière la durite, on le verra mieux quand je vais la déposer. Et la dernière vis qui se trouve en dessous. Passage les petites lampes comme ça là chez Lidl là, franchement elles sont vraiment sympas hein. Elles éclairent même au bout, franchement elles se plient et tout, elles se rechargent sur un socle top. Comparé à certains fournisseurs, ils vont vouloir vous vendre des Facom là à 89 euros là. Là chez Lidl, à même pas 15 balles, on a une bonne lampe à LED rechargeable. Hop, on récupère la petite vis. Pour le coup, faut pas que je la fasse tomber parce que j'ai déjà mis mon seau en dessous. Où il y avait déjà du liquide de refroidissement. Je vais le virer d'ailleurs comme ça. Si je fais tomber ma vis, je me retrouve pas baisé. Hop là, nickel. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai retiré les trois vis de la durite qui tient le papillon. J'ai desserré les deux colliers là. Il me reste quoi? La durite en fer. Et là, c'est des vis avec ce genre d'embout. Vous savez, les spéciales Volkswagen étoilées quoi. Je sais plus combien dedans. Là. Et là, c'est du combien? C'est du 10. Je sais pas si vous voyez ou pas. Voilà, CRV10. Et donc, putain de cliquet. Et du coup, il y a deux grosses vis. Hop. Juste en dessous là. Désolé, il y a ma fille avec moi. Voilà, et du coup là, ça sera plus parlant. Voilà, c'est des vis comme ça. Ok. Donc ça, là, on a desserré, on a desserré. Maintenant, hop. On la sort comme ça, par le haut. Et voilà. Voilà le morceau. Les trois vis. La durite en fer. Il y a le petit joint en fer hein, dessus. Hein. Faut bien faire attention à le garder dessus. Et la durite en caoutchouc. On le met de côté. Et là, du coup, on arrive au thermostat qu'il faut qu'on dépose. Et là. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais en mettre une là. Voilà. Et en fait, là, il y a un petit clips là derrière. En fait, qu'il faut sauter au tournevis. Au tournevis plat, vous le mettez entre. Hop, c'est un petit clips tout bidon. Hein. C'est une fourchette en fait. Hop, en plastique. Donc faut faire attention hein, à pas la casser. Hein. Faut pas forcer comme un con. Hop, ça c'est retiré.
Là, on retire le collier ici avec la pince à collier ou une multiprise, hein. Moi, j'ai la pince, donc voilà. Je le fais à la pince. Mais sinon, pince multiprise, ça va très bien. Qui me sert pas assez. Qui vient pas ce canard. Bon. Ah voilà, j'ai la pince. Et vu que c'est une pince de merde là pour le coup, je vais faire à la multiprise. Voilà. Et pour le coup, ça ira mieux. J'ai pas voulu investir dans une Facom. Et ben aujourd'hui, je le paye. Support caméra, il en peut plus. Et là, on regarde, on a bien mis saut. Hop. Parce que là, hop là. Tout le liquide, il se barre. Ok. Là, on perd pas de temps. Le liquide, il sort ou pas. C'est trois vis avec le même embout là, de 10. On dessert, on y va, on n'a pas le temps. On débloque au cliquet. Et après, ces vis-là, elles vont bien. Elles sont dans la culasse. On peut desserrer à la main tranquillement. Non. Donc. Hop. Donc voilà, c'est des vis comme ça. Actuellement, je fais ça en 2-2. Là, je vais. Hop. Et là, on sort le thermostat. Et comme il est pris dans la durite là-bas, où il y a la petite fourchette, faut le décoller de la culasse. Vous le bougez un petit peu de droite à gauche, en haut, en bas. Et vous le poussez par là pour qu'il sorte de la durite. Parce que c'est pas une durite souple, c'est une durite dure. Vous le descendez vers le bas, vous le tournez d'un quart de tour comme ça. Et ensuite, voilà, vous le sortez comme ça. Hop, hop, et voilà. Et là, voici l'ancien thermostat ou carlostat, comme il y en a, ils disent. Si vous voulez la référence Volkswagen, je vous la mets ici. Voilà, hop. Hop, hop. Et là, on passe au nouveau. Hop. Mets un petit peu d'eau sur les joints. Hop. Et là, je renchaîne. Je vais essuyer un petit peu la flotte qui stagne au-dessus du refroidisseur. Hop. Je sèche quand même un petit peu, histoire que ça adhère un petit peu mieux. J'aime pas qu'il y ait trop de flotte comme ça là, qui stagne. On essaie de faire ça
quand même propre, hein. Donc on éponge la flotte qui reste. Après, vous allez avoir plein d'eau, vous allez avoir peur, vous allez dire, ah, il y a une fuite quelque part. Tandis que quand on essuie direct, ça nous permet de savoir si ça fuit ou pas, vu qu'on avait tout essuyé. Petite astuce. Petite astuce, un petit coup de nettoyant frein où il y avait la fuite de liquide. Pourquoi? Parce que le nettoyant frein, ça s'évapore et ça va couper le liquide de refroidissement, ça va mieux s'évaporer du coup. Du coup, là c'est bien la nouvelle. C'est la nouvelle. Voilà, il y a bien le gros ressort dedans avec le petit clapet comme je vous avais montré. En fait, voilà, on voit là. Et ça s'ouvre à partir de 90 degrés. Ça s'ouvre et ça permet à l'eau de circuler partout après dans le circuit. Donc, on l'a sorti comme ça, on le re-rentre comme ça. Hein, de la même façon. Sinon, on va galérer. Donc, on essaie de mémoriser comment on l'a sorti. Ensuite, on tourne. Du coup, je dis ça, je ne l'ai pas sorti comme ça, je l'ai sorti comme ça. Hop. Et ensuite, on tourne. Hop, je rentre dans la durite. Voilà. Je le pousse dedans. Tout en faisant des mouvements un peu comme ça. Pour que le joint rentre bien. Voilà. Voilà. Là, c'est qu'il est bien rentré. Voilà. Ce qui me permet de guider avant même de remettre la fourchette, j'essaie de mettre une vis pour voir. Donc un quart de tour en arrière et après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien prendre parce que là on est dans la culasse. Hein. Faut surtout pas se foirer, hein, foirer le pas de vis. Hein. Donc voilà. Là, non, elle n'est pas prise justement. Voilà. C'est que là, ça reste le bon emplacement. On va pouvoir mettre. Faut vraiment bien la caler. Hop là, j'ai entendu le petit claque. Et là, voilà. Je sais que mon pas de vis, il est bien pris. Et du coup, vu qu'il y a une vis qui est rentrée, tout c'est du rigide. Là, je peux remettre ma petite fourchette. En plastique. Hop là, voilà. Ça c'est réglé. Donc là, du coup, je peux remettre mes vis. Tranquille, je l'approche tranquillement. Voilà, au max, mais sans trop forcer, hein, parce qu'il y a trois vis. Faut pas en serrer trop une d'un côté, parce que sinon après votre pièce, elle va se mettre un peu en biais. Non, on attend d'approcher les trois à peu près au même niveau. Un peu le principe du réglage du serrage en croix. Toujours de toute façon en mécanique. Serrage en croix. À part les culasses, c'est autre chose. C'est encore d'autres serrages. C'est un peu en croix, mais c'est aussi en escargot. C'est. Voilà, et ça dépend des culasses. Hop, je mets la dernière là. Je mets la dernière vis. Et puis après. Attends.
Hop là. Voilà. Une fois que les trois sont approchées, d'accord, là, on peut procéder au serrage. Et c'est pareil, en croix. Il y en a deux de chaque côté, là. Plutôt que faire les deux proches, on va faire d'abord la première là et l'autre éloignée, la plus éloignée. Donc, hop. Là, celle-là, elle est serrée. La deuxième, la plus éloignée. Hop, elle est serrée. Faut pas serrer comme un ouf, hein. Là, c'est direct dans la culasse. Hop, faut serrer, mais pas comme un dingue. Parce que là, si vous foirez, c'est la merde. On remet la durite juste ici, là. Je sais pas si vous voyez bien là maintenant. Hop, on met la durite là. Ok. Hop, je sais pas si vous voyez bien, mais généralement sur les durites, vous avez toujours une sorte de petit repère. Les petits traits blancs là, comme ça, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Là, il y a un petit guide en face en plastique. Et ben, en fait, faut que le trait blanc corresponde juste en face du plastique. Ça veut dire qu'elle est au bon angle, au bon endroit. Ok? Si vous la vrillez, vous la mettez, le trait blanc il est à côté, elle n'aura pas le bon emplacement. Donc elle va forcément forcer quelque part ou être en résistance la durite. Donc voilà, c'était juste ça en aparté. Je remets le petit collier avec la petite pince multiprise. C'est pareil, hein. Les colliers comme ça, vaut mieux les remettre exactement où ils étaient en fait. C'est beaucoup mieux. Hop là. Ok, bon, nickel. Donc là, ça y est, on a changé le thermostat. Donc voilà. Et là, on va remettre du coup tout ce qu'on a retiré. Donc la grosse durite comme ça. Donc hop, on la replace. Hop, comme ceci. Voilà, on est bien. On fait attention au papillon de gaz. Parce que justement, le clapet, il est ouvert. Donc à pas trop le choquer, le cogner et forcer dessus. Le clapet, ça reste tout de même un papillon, ça reste assez fragile. On met les deux vis là sur la durite en métal qui se fixe après sur la vanne EGR. Hop. On les fait prendre à la main. Une fois qu'elles sont prises à la main, hop, on les rapproche à la main toujours avec simplement la douille et la rallonge. Hop, on serre jamais tant que les autres sont pas bien mises, sont pas en place. On serre tout à la fin. Là, c'est que des durites rigides. On serre vraiment tout à la fin en même temps. Là, on remet.
Là, on remet les trois vis de torse, hein. Ok, de 30 sur le papillon. Je sais pas pourquoi ma caméra elle a coupé, mais elle a coupé, elle a interrompu la première vidéo. Donc du coup, je suis obligé de faire un petit montage de merde pour la suite. J'aime pas ça, ça m'énerve. Il va falloir que je trouve une solution. Je vire mon seau en dessous, sinon je vais me faire baiser. Ça va tomber dans le liquide de refroidissement. Et là, je serai bien. Donc ce que je fais, petite astuce que je vous donne, Chatterton, le petit embout, la vis, pour quand il y a une vis à mettre dans un endroit délicat, hop, je vais inventer un verbe peut-être, on la chattertonise avec l'embout. Voilà. Voilà. Et après, une fois qu'elle est vissée, eh ben ça se retire. Ça se retire tout seul. Celle-là, elle n'a plus trop de batterie. Une fois que les premiers filets ils sont pris, voilà. Vous bougez le truc, vous retirez l'embout, vous tirez un petit peu et ça tire sur le scotch. Juste par contre, vous le récupérez du scotch. Encore la suite de la vidéo. Troisième fois. La caméra elle a encore coupé. Hop. Là j'en suis à Cher la Durite. Voilà, là j'ai serré la durite. Donc du coup, je resserre ici mes trois vis et là je serre cette fois-ci. Pareil, hein, pas comme un taré. Hop là, voilà. Je serre celle du bas. Voilà. Et là, on serre les deux grandes. Ici.